j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence ici. Je suis à Torremolinos, dans le sud de l'Espagne, et c'est la fin de mon séjour d'ici qui aura duré 10 jours. Alors ça aurait été un vrai bonheur parce que j'ai loué un appartement que j'ai payé quasiment rien. C'était 20 euros par nuit, donc vous voyez, si vous comparez avec le prix des logements dans certains cas quand voyagez, ça peut être des fois beaucoup plus cher. Et là, pour 20 euros par nuit, bah, j'ai eu un petit appartement qui est derrière moi, super bien agencé. 9e étage, très calme, de ce côté-là du mur, c'est le vide, de l'autre côté, c'est un voisin qui était jamais là, et de ce côté-là, c'est la mer. Donc franchement, ça aurait été un vrai bonheur de rester dans cet appartement-là, et c'est la logique finalement de ma décision que j'ai prise il y a 2 ans, c'est de tout quitter pour voyager. Et vous voyez, en fait, à 20 euros par nuit, bah, on est à 600 euros par mois, et on est en bord de mer, à la plage, au soleil, et franchement, je me dis, quand je réfléchis, je me dis, j'ai vraiment fait le bon choix d'avoir tout quitté pour voyager, parce que je me verrais pas du tout être encore derrière mon bureau comme il y a 2 ans. J'ai divisé par 3 mes revenus, mais j'ai aussi divisé par 3 mes impôts et j'ai multiplié par 3 en fait ma liberté, même par 10 ou par 100, parce que finalement aujourd'hui, bah, je travaille pour moi sur des projets qui m'intéressent, je rencontre des gens qui m'intéressent aussi, je choisis les gens que j'ai autour de moi et ça c'est aussi une grande chance que je n'avais pas quand j'étais finalement dans ce travail que je faisais avant. Il y a des moments où on se pose pas vraiment de questions, on se dit bon bah le travail c'est comme ça, j'y vais, je gagne ma vie et on cherche pas forcément à sortir de notre routine parce qu'elle est assez confortable d'apparence, mais quand on y réfléchit un petit peu, finalement elle est pas si confortable que ça parce qu'elle est pleine de contraintes, elle est pleine d'obligations, vous dépendez de quelqu'un. Et moi quand j'étais dans ce travail là finalement j'étais pas épanoui, en fait je m'ennuyais, j'avais des idées, j'avais envie de créer plein de choses et j'étais bloqué parce que finalement à chaque fois que je soumettais une idée, et ben les gens qui étaient autour de moi ils avaient peur que ça change les choses, et je pense qu'ils étaient aussi dans l'idée que tout devait rester comme c'était depuis des années. Et je sais pas, moi il y a un moment, j'y ai trouvé mon compte, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'étais jeune, j'avais pas forcément d'ambition, mais puis il y a eu un moment aussi où j'ai eu le déclic, je me suis dit mais si je continue comme ça, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, et il va falloir que je me pose la question vraiment de qui je suis, parce que c'est important aussi de vous connaissiez un petit peu et qu'est-ce que vous aimez. Et moi ce que j'aime avant tout c'est les rencontres, les voyages, l'aventure, l'inattendu, la fameuse citation d'Antoine de Maximy qui dit « Quand rien n'est prévu, tout est possible ». Cette phrase-là, moi, elle m'a énormément inspiré. Ce qui m'a inspiré, c'est de voir aussi des vidéos de gens qui avaient parcouru un chemin de vie équivalent au chemin que j'ai parcouru maintenant. Mais ces gens-là m'ont inspiré. Et moi, si je fais cette vidéo aussi, c'est peut-être pour vous dire bah, « prenez une feuille de papier ». Écrivez dessus ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui et quelles sont les choses qui vous bloquent le plus finalement dans une prise de décision qui vous ferait changer, qui vous ferait changer de vie. Parce que c'est ça moi que j'ai fait. J'avais d'ailleurs écrit en haut de la phrase, c'était reboot, donc rebooter. Ça faisait écho à mon métier d'informaticien et j'ai mis en fait 20 choses qui m'occupaient dans la vie. Et je me suis dit, bah, dans ces 20 choses, quelles sont les choses qui me sont les plus négatives? Quelles sont les choses qui sont les plus toxiques à mon bien-être? Et j'ai commencé à les rayer une par une en me disant, laisse-toi quelques semaines et commence à envisager la façon dont tu pourrais supprimer ces choses qui sont négatives. Et c'est ce que j'ai fait, et finalement, ça aurait été pour moi hyper intéressant parce que si j'en suis aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai pris cette décision-là d'éliminer les choses toxiques, les choses néfastes. Donc, dans les choses néfastes, il y avait par exemple ma situation professionnelle. Il y avait un appartement que j'avais acheté finalement qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, mais j'ai décidé de le vendre alors que tout le monde me disait de le garder. Et vous voyez, en fait, 2 ans après, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, 2 ans après, j'ai zéro problème. Alors non, j'ai pas zéro problème, j'ai des petits tracas du quotidien, mais j'ai rien par rapport à avant et je suis en totale liberté. Ce que je veux vous faire comprendre, en fait, vraiment, et c'est là l'objet un petit peu de cette vidéo qui va être assez courte, pour vous dire qu'aujourd'hui, je ressens un putain de sentiment de liberté, et je pense que ce putain de sentiment de liberté, eh ben, il a pas de prix. À quoi ça sert finalement d'avoir un temps, des moyens financiers énormes, si vous n'avez pas de temps pour utiliser ce que vous gagnez? Vaut mieux gagner moins, utiliser le peu que vous gagnez pour vraiment en profiter, c'est ce que je fais aujourd'hui. 20 euros la nuit, je suis dans un appartement, mais je suis dans le sud de l'Espagne, je suis au bord de mer, je m'éclate à faire ce que je fais, et je pense qu'il faut que vous vous reposiez la question. Donc, ça va être la question du jour, en fait. La question du jour, c'est, dans votre quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'être complètement épanoui? Je vais demander de mettre ça en commentaire, en fait, de cette vidéo, et je serais heureux avec vous d'en discuter parce que ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut être parce que vous avez un animal, ça peut être parce que vous avez une situation professionnelle et des crédits à payer, ça peut être peut-être parce que vous avez une vie de famille, des enfants. Mettez-moi vraiment tout ce que vous avez en dessous dans la description, dans les commentaires. Et moi, j'y répondrai, on en discutera. Je pense que ça peut être intéressant, justement, qu'on en discute ensemble. Voilà.
Vidéo qui s'arrête ici. Moi, je suis parti pour aller à l'aéroport. Je vais aller manger des petites tapas. C'est ça la beauté en fait du voyage, c'est que je vais aller manger des petites tapas pour quasiment rien au bord de la plage. Et après, je vais aller prendre mon avion. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un format un petit peu différent parce que c'est un dialogue face caméra comme ça. Et je vous raconte deux trois trucs. Et quand j'ai un sentiment particulièrement intéressant, comme par exemple si je me sens bien et que je réalise vraiment 2 ans après que ma décision que j'ai prise de tout quitter a été extraordinaire, j'ai envie de le partager avec vous parce que vous faites partie de l'aventure de la chaîne YouTube. Et moi, pour moi, ce que vous pensez de ce que j'ai fait ou de ce que je fais m'intéresse énormément. Ça veut pas dire pour autant que de temps en temps j'aurai pas des vidéos face caméra comme ça où je vais raconter que ça va pas. Dans ces cas-là, je le ferai, ça fait aussi partie de l'expérience. Sur ces 10 jours de voyage, je voulais aussi vous dire que j'ai travaillé sur le voyage en Colombie et que je suis en train de vous préparer plein de vidéos justement sur ce prochain voyage. Donc j'ai très hâte de partir en Colombie aussi. J'ai réservé pour 2 mois ce que je vais faire. Colombie, Panama et Costa Rica, et je me dépêche parce que sinon je vais pas avoir mon avion, donc je vous dis à très vite. Ici, valise cabine, vous voyez les gilets avec une valise cabine. Ici, c'est le lit dans lequel j'ai dormi pendant tout ce temps. Ici, je sais pas si vous voyez, il y a un contre-jour. Ça, c'était le siège dans lequel j'ai fait mes brainstorming, et là, c'est le bureau dans lequel j'ai fait mes montages vidéo. Ça, c'est indispensable, mais c'est la climatisation. Ça, c'est le tableau. Et je me demande justement où est cet endroit en fait. Ça a l'air un endroit super sympa à visiter, donc j'aimerais bien y aller. Et là-bas, au loin, ce que vous voyez, c'est la cuisine, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Et cet appartement-là, je vous remets le lien dans la description, aura été un appartement particulièrement intéressant pour moi pendant 10 jours. Franchement, c'est dur à expliquer, mais cet appartement, je l'ai adoré. Allez, je me dépêche, je suis parti pour l'aéroport. El sol es la vida. Pero en París no hay sol. Es muy frío ahora. Bueno, París, no me gusta. Y toda esa zona de por ahí. No hay mucho de gente aquí, es muy no, calmo. No, yo llevo 30 años aquí. Sí, porque te levanta cuando quiere, viene cuando quiere y hace lo que le da la gana. ¿Y yo puedo cocinar? Hablamos bien español, ¿eh? Un poco, yo voy a ah, ir. No, pero lo hablamos bien. Yo voy a ir a Colombia para visitar. Buenos días. Anda con mucho cuidado. Les petits restaurants de tapas avant de partir. Ça, c'est les petits restaurants de tapas. Vous voyez, ici, paella. Ici, c'est des boulettes de viande, un jus d'orange frais pressé, plus le café qui arrive. Le tout, c'est 7,50 €, donc c'est pas très cher. Allez, billets pour aller à l'aéroport de Malaga. En fait, quand je vois toutes ces destinations, j'ai envie d'aller partout. Je me dis que finalement, on a la chance de pouvoir voyager avec des aéroports, avec des avions pas très chers. Et c'est ça toute la beauté finalement du voyage, et de l'avion surtout. C'est que on est la porte à côté de plein d'endroits. Donc moi, c'est 13h30, c'est Paris-Orly. Voilà, prêt à prendre l'avion qui va me ramener en France. Et vous savez que moi, je voyage léger avec une valise cabine. Alors, une valise cabine, c'est une valise qui a une certaine taille. Vous voyez, c'est ce type de valise qui a la particularité de pouvoir vous accompagner dans l'avion, dans les compartiments qui se trouvent au-dessus de votre tête. Elle doit respecter une certaine taille et un certain poids de façon à ce qu'elle puisse rentrer dans le compartiment. Donc, à vérifier avec la compagnie aérienne avant de partir. Quand vous arrivez dans l'avion, vous la mettez en haut et vous êtes ensuite prêt pour décoller. Moi, je suis prêt et j'en profite dans cet avion pour regarder Échappée Belle en Colombie. Donc ça va me donner un petit peu envie d'aller en Colombie. Donc je suis prêt, je regarde ma série et je retourne en France et je reprends de l'autre côté. Et me voilà de retour à Paris, dans mon appartement, dans le froid, il neige à Paris. Alors, du coup, ça va être quelques jours de préparation de voyage avant de repartir à l'autre bout du monde, en Colombie. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques temps, merci. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage et de technologie, alors n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.